Bonjour et bienvenue en Pologne. Voici la première étape de ce voyage, donc dans la deuxième ville du pays, Cracovie, qui est une petite ville de province se trouvant au sud de la Pologne. Mais nous ne visiterons pas que cette ville, puisque nous irons également visiter les camps de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Et puis, je vous emmènerai visiter les mines de sel de Wieliczka. Et puis enfin, nous prendrons la direction de Varsovie, la capitale, que nous verrons un peu plus tard. Donc Varsovie, c'est une ville très touristique, avec énormément de tourisme, essentiellement dans le vieux Cracovie, puisque c'est là où je me trouve, sur cette place, il y a essentiellement des restaurants, des touristes et des boutiques souvenirs. Voici la basilique Sainte-Marie, sur la place du vieux Cracovie. Et sur ce parvis, un petit marché avec plein de spécialités polonaises qui sont vendues. Je suis donc dans la cour du château de Cracovie que vous pouvez apercevoir derrière moi. Donc cette petite cour, et aujourd'hui donc on est dimanche, il y a un peu de monde puisqu'il y a beaucoup de touristes. Pourtant on n'est pas un week-end particulier, mais enfin. Donc voilà, malheureusement j'ai visité donc la salle des armures ainsi que la salle, ce state room avec la salle des gouverneurs. Ceci étant, il m'était impossible donc malheureusement de prendre des images puisque les photos et vidéos sont interdites. Mais enfin bon, c'était assez sympathique. Et donc je vais profiter pour vous faire visiter l'extérieur de ce joli palais, enfin ce joli château. Et donc le château que vous voyez derrière moi donc fut le siège des monarchies des 11e au 16e siècle.
Donc là, je suis dans la synagogue Isaac. C'est une petite synagogue du quartier juif de Cracovie. Et on va aller voir le cimetière Isaac qui se trouve juste à côté. Donc me voici maintenant dans le cimetière juif de Cracovie. Vous savez qu'ici il y avait une communauté juive très très importante. C'est d'ailleurs l'une des raisons aussi pour laquelle les camps d'Auschwitz ont été justement créés dans cette ville. Et donc on peut voir des milliers de personnes ici, enterrées ici, donc dans ce grand cimetière. Donc des milliers de personnes juives. Et c'est un cimetière un petit peu, j'allais dire, laissé à l'abandon, comme vous pouvez voir derrière moi, toutes ces tombes qui sont complètement laissées à l'abandon, des tombes dont on ne peut même pas lire les noms, des tombes qui doivent d'ailleurs dater d'il y a je ne sais combien d'années, donc c'est assez impressionnant. Ces bâtiments, après des modifications, pouvaient servir dans le futur temps. De plus, la caserne, elle se trouvait entre de la ville. Donc, ça permettrait un agrandissement futur du camp, mais sans isolement efficace. L'autre argument, Auschwitz était un nœud important dans le chemin de fer. Alors les trains d'ici partent dans quatre directions. Donc Auschwitz 1 est fondé en 40. Alors là, on noyait des cendres humaines, entre autres là, et un bassin rond
on rythme, c'est les stations d'épuration pour les excréments pour faire du biogaz à base d'eau. Il y a aussi des maisons, des habitations civiles qu'on voit autour du camp. L'habitation, on dit que là les gens dormaient. On a préparé 60 cloisons à 3 niveaux. En tout, ça donne 180 lits comme ça. Et un tel étage était pour 4 détenus, en théorie. Et par contre, un bloc en dur était pour 700 détenus, mais 1000 ou plus qui étaient là. De la paille et des couvertures, il y a deux poêles, on voit d'hommes cheminer, mais ces poêles normalement ne chauffaient pas. Et au début, pas d'équipement sanitaire là. En 1944, quand on a aménagé deux fragments au bout là, on a installé des lavabos et dans l'autre fragment des latrines des toilettes. Au premier étage, on pouvait mettre s'asseoir. Ailleurs, non. Le plafond était trop bas, donc l'âme logeait les plus forts qui pouvaient monter. C'est quelqu'un qui était là. Je suis dans les mines de sel et donc c'est vraiment très intéressant. Voilà donc pour ce que je pouvais vous dire concernant cette première étape de Cracovie, puisque maintenant je vais me diriger un peu plus au nord, je vais me diriger vers la capitale, Varsovie, donc qui se trouve à 4h30 de route de Cracovie. Donc Varsovie, la capitale, ville un peu plus grande, mais qui a été bombardée, donc enfin, je peux vous raconter toute l'histoire, on verra ça quand j'arrive. Donc à bientôt à Varsovie, la capitale. Merci à tous.